Dieu qui est sa monnaie. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, le Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais ce qui devient ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui entends au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez, tressaillez en elle d'une éternelle joie. Voici ton roi qui vient, renouveler son peuple, et toute chair verra le salut de Dieu. Psaume 118, strophe 2. Soudain viendra celui qui
plus dans toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde.
sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique de Judith, page 258. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère bon Seigneur. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Et le berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis maigres. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte à celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Du père Joël Sprunk, l'attente chrétienne de la parousie. L'attente de l'accomplissement est depuis toujours un des ressorts fondamentaux de la foi chrétienne. Ainsi, dès la première Église, les chrétiens ont été animés par l'espérance de la venue finale du Christ, de sa parousie. Ils étaient tendus vers l'avenir et attendaient la manifestation eschatologique du royaume. Si dans les premières communautés chrétiennes, cette attente de la parousie du Seigneur est vécue avec une certaine fébrilité, parfois excessive, il est vrai, aujourd'hui, par contre, il semble que celle-ci se soit quelque peu émoussée. Attendons encore quelque chose. Pourtant, le credo de Nicée-Constantinople nous invite à demeurer tendus vers celui qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. La liturgie eucharistique elle-même est transie par ce désir de l'avènement du Seigneur. Nous attendons ta venue dans la gloire. En d'autres termes, l'histoire a un sens.
Elle est orientée vers un but. Le temps de l'Église, cette période de l'histoire du salut qui court depuis la résurrection du Seigneur jusqu'à la parousie glorieuse, est semblable à un grand avant. Celui-ci ne se clôt pas sur lui-même. Il est ouvert sur un avenir qui vient vers nous et vers lequel nous marchons irréversiblement. Comme dans les mosaïques byzantines, cet avenir a un visage personnel. Celui, lumineux et rayonnant, du Christ ressuscité, en qui nous est offerte la communion bienheureuse avec le Père et avec les autres. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit. Lui reposera l'Esprit du Seigneur. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et que sa gloire remplit l'univers. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le texte que la liturgie nous donne d'entendre en ces premiers jours de l'Avent nous projette déjà vers la promesse et son accomplissement, mais dans un jeu d'ombres chinoises, tissé d'ombre et de lumière. Pour ce qui est de la lumière, l'oracle d'Isaïe nous prédit un point d'accroche pour l'Esprit de Dieu en son peuple, issu d'une recréation. Exactement comme la colombe de Noé finit par trouver une terre accueillante après le déluge, Dieu annonce qu'il va reprendre son œuvre depuis la racine, c'est-à-dire ce qui fait sa terre, ce qui fait sa chair. Et comment s'y prendra-t-il? Là, notre texte recèle une difficulté riche de sens. Ce qui est traduit par « l'Esprit qui lui inspirera la crainte du Seigneur » évoque plutôt la respiration dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire le mélange des souffles, donc l'image du baiser. Crainte amoureuse, bien sûr, qui ouvre à l'infini désir du mystère de l'être aimé. C'est donc ce souffle qui dirigera ce rejeton et qui lui donnera de porter du fruit. Il le dirigera comme un maître aussi bien intérieur qu'extérieur. C'est l'esprit prophétique. Cette justice lui donnera d'être l'exact reflet de la justice, c'est-à-dire de la sainteté de Dieu, qui est don total de lui-même à chaque instant. C'est l'esprit sacerdotal, source d'ajustement avec Dieu, pour qui veut bien entrer en relation, en culte, avec lui. Enfin, son action fidèle révélera Dieu, la façon d'agir de Dieu, c'est-à-dire de juger, donc de sauver, propre à Dieu. Et c'est l'Esprit royal. Prophète, prêtre, roi. Prêtre, prophète et roi. Parfait reflet de ce Dieu qui agit en lui, l'unité intérieure vécue par le rejeton rejaillira en union des contraires. Le loup avec le chevreau, la panthère et le chevreau, le veau et le lionceau, la vache et l'ours. Mais là s'arrête la lumière de notre texte. Il ne nous dit rien sur comment cette paix peut nous rejoindre aujourd'hui. Il l'annonce, mais c'est tout. L'ombre, c'est le Christ seul qui l'a portée. En portant notre chair, il y a déposé sa lumière. Dressé sur la croix, il y a déposé sa vie, son pardon. Et sa mort a scellé notre union. Seule l'humilité divine peut unir les contraires. Seule la miséricorde peut embrasser l'ami et l'ennemi, la misère de l'homme et le cœur de Dieu. Seul le Christ peut faire de notre demeure d'étranger, de notre chair, sa demeure de gloire. Prêtre, prophète et roi. Par lui, avec lui et en lui, professons-nous à l'Eucharistie. C'est ce mystère qui veut prendre naissance en nous, à cette nativité.
Dieu en son Fils y a embrassé notre terre, notre chair, pour que nous y vivions du même souffle, que notre demeure d'étranger soit sa demeure de gloire. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, Maranatha, le Seigneur vient. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, en cette fête de Saint-François-Xavier, nous te prions pour tous les missionnaires. Donne-leur un ministère fécond et la joie de voir ton action dans les âmes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi ou qui t'ont oublié. Fais qu'ils puissent te découvrir ou te redécouvrir. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les éducateurs, qu'ils sachent te faire aimer et se mettre à ta suite. Dieu très saint, Dieu
l'Esprit du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Dieu est béni entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein.